Comme de coutume chaque année, le médiateur de la République a procédé ce mardi 13 août 2019 à la présentation du rapport des activités courantes de l'année 2018, ceci devant la presse. L'exigence légale de sacrifier annuellement à cet exercice la présentation du rapport annuel d'activité est une opportunité de rendre compte aux plus hautes autorités du pays, vous n'êtes pas les hautes autorités, hein, et à l'ensemble des citoyens, ce que vous êtes, de l'exécution des missions assignées au médiateur de la République par la loi pour l'année écoulée. Je voulais vous informer que nous avons recueilli 557 plaintes ou réclamations de nos compatriotes en 2018. J'ai voulu aussi vous dire que les dossiers ainsi constatés ont été étudiés à titre gracieux et en équité, car nous ne jugeons pas. Après la présentation de films documentaires relatant les actions phares de cette institution légale, le directeur des recours a mis plus de lumière sur les grandes difficultés affrontées. La réalisation du film documentaire sur le bilan de l'institution au cours du quinquennat 2013-2018. Les activités de renforcement de capacité au profit du personnel sur diverses thématiques. La participation des délégations du médiateur de la République du Bénin aux activités des instances internationales de médiation. AMP-UEMOA, l'Association des médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA, l'Association des Ombudsman et médiateur de la francophonie et l'Association des ombudsman et médiateurs africains. Le point 2 de cette synthèse, c'est le bilan des réclamations. Au point 3, nous avons tiré un certain nombre de leçons du traitement des réclamations que nous avons faites au cours de l'année 2018. De libres échanges ont meublé cette rencontre de rapport annuel.